Il y a quelqu'un en tout cas qui a foi en vous, notamment c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans les colonnes de 20 minutes il y a quelques jours disait la chose suivante. Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez, je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc, pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, bah écoutez... Et du fait que pour le Front populaire, contrairement au Front populaire de 36 et au nouveau Front populaire aujourd'hui, nous avons, nous, réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Mais donc juste, vous n'avez pas, plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je ne sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous connaissiez pas l'histoire de Léon Blum? Comment? Vous connaissiez pas l'histoire de Léon Blum? Si, je l'ai même écouté à vélo quand je faisais 1000 km tout cet été. Donc si, je vous assure que je la connais bien.